l'histoire. Entrer dans l'histoire n'empêche pas d'avoir la trouille. On s'est super bien démerdé. De vrais pros. Grave. Écoute ça, je vois pas pourquoi un truand prendrait pas des vacances. Paname lui collait à la peau. Paname la serrait dans les touffes de sa beauté, de son charme. Paris ne la laissait pas partir. Mais moi, jamais je n'abandonnais. Pour passer à l'action, parer à l'imprévu, prendre la bonne décision, il n'y avait toujours un qui tirait l'autre. Toujours un qui tirait l'autre de là. Je savais bien qu'on partirait. Partons deux jours, Sal. Le 14 juillet, ça m'inspire pas. C'est plein de faisans, Paname. Si tu veux, mais où? Aucune idée. La campagne. Partons au nord, ce sera plus calme. On s'accrouge encore à l'hôtel. Et la valise dans le coffre. Allons-y, allons-y. Avanti! Tu viens, ma belle? Bah, je voudrais bien! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bien longtemps que plus personne ne prend cette ligne. Tu vois cette petite croix en dessous du golf? Demain, départ Los Angeles. On passe une nuit à l'hôtel. De récupérer l'argent. Voici les billets. Et voici la carte. On peut... Si on veut... Ouvrir une concession. Katia. Acheter des bagalots. Cultiver l'océan. Ouvrir une compagnie de transport. Chercher, trouver, trafiquer dans... L'inconnu. Écoute, Sal, l'argent passera par la valise diplomatique. Mon contact travaille dans le cinéma. Une commande d'État sur le Louvre. Les bobines de film. T'es dingue, jamais ça marchera. Marcher peut-être pas. Mais il faut pas voler avec. Un détail près. Je sais. Moi, je pars pas. Je savais que t'avais des pouvoirs magiques. Je pense surtout qu'il y a plus de pensées dans les pots de fleurs que dans la tête des gens. Tu es très belle. Non. Non. Je suis pas si belle. C'est le monde qui est beau. C'est bien ce que je disais. Tu es très beau. Ce serait bien qu'il se pointe, hein. T'es pas obligé de regarder, hein. Ouais, vous êtes terriens? Non, on est des cosmonautes. Et si ta mère c'est un poisson, chiale plus, tu vas aller la retrouver. Mon petit bonhomme, j'ai pas le sentiment d'être exactement un touriste. Qu'est-ce que tu nous veux? T'es pas mon pote, t'es pas mon frère, t'es même pas du tout de ma famille. Tu commences grave à me coller, qu'est-ce que tu veux? Moi? Rien. Rien de rien, hein. Excuse-moi, hein. Oula. Tu bouges pas. Toi non plus, tu bouges pas. Plus personne ne bouge. Sauf si je le dis. Tu caches bien ton jeu, mon pote. Mais j'ai pas le larfeuille bourré à craquer, ok? Par contre, j'ai 6 balles. Et je suis pas ton pote. Il va falloir qu'on fasse vite. Vite quoi? Ta gueule et donne-moi les clés, toi. Dépêche-toi. Écoute. On vide nos poches.
On se couche par terre et tu pars avec la caisse, ça te va? Jeton? Je te propose un deal. Tout pour toi, rien pour nous. C'est parfait. J'ai oublié un truc. Tu nous laisses la vie sauve. Oui. Je sais pas. Allez, putain! 5, 4, 3, 2, 1, fire! Oh, Yannos! Il y a un putain d'os, connard! Descends de là! Descends de la bagnole! Ok, non, mais je vais t'expliquer. Je pourrais pas comprendre, tu descends tout de suite! Allez, ok, tiens-toi, touche pas ton flingue! Spatial! Tiens, Xavier, reprends ton flingue. Je prends ton ticket. Quel ticket? C'est pas. Père, paradis. Déconne pas. Pourquoi déconne pas? Il a failli me buter, cette ordure. Prendre tout ce que j'ai. Déconne pas. Me fous pas de ma gueule comme ça, mec. Putain, tu m'as fait super mal. Ça s'appelle l'expérience, tu vois, ça rentre. Trop tard. Tu viens avec nous. Alors, tu crois pour qui tu nous as pris? T'as vraiment cru que t'allais nous filouter? Tu piquer la bagnole et te faire la belle? Putain de film de Walt Disney tu vis, mec. Prends pour Peter Pan, c'est ça? C'est ça? C'est quoi, son flingue? Rien. Un 6.35. C'est de la dope, mec. Une larve. Une merde. Là, tu sais qu'on peut boire un coup? Ah, vous. Faites gaffe quand même, c'est les flics là. T'as bien fait de me le dire, j'allais bêtement lancer une grenade. Ton jeune boy, yes, tu vas y être bambo. C'est quoi? Pantaï diamelayan, maniaque boussouk. C'est recevoir ton ami. Alors mon brave, dites-nous un peu. Qu'est-ce qui vous a fait chuter? On est dur. Oh, arrête un peu au risque. Vous en prenez une. On est deux derrière. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu de petite sœur. Oui, ça aurait été moche. Oh! Le deuxième concept est simple. Et universel. Ce que tu me prends doit être compensé par ce que tu me donnes. C'est la claque, ton truc. Hein. C'est aussi la vie. Sauf, je te rappelle. Dis donc, maintenant que j'y pense, il me semble que ton secteur est juteux. Je me trompe. Ah, je te le fais pas dire. T'as une idée? Ouais. C'est comme ça que le kid s'est fait buter. Qui ça? Billy, quoi. Billy. Billy. Le kid. T'es vraiment taré. T'es taré, mon pote. Le bus nous mène en bas. But America cannot... Vraiment, hein. Coup de notre gueule, ce mec. Allez, laisse pas faire. T'as raison, sale. Je m'accroche, hein, je m'accroche. Allez, finis le Far West. N'oublie pas que j'ai failli te plomber tout à l'heure. Tu voulais nous emmener quelque part? On y va. We not just hold our own. We not keep just freedom for ourselves. Ta-da! Ouais. Et donc ils ont pas peur les broquets chez vous, y'a même pas de système d'alarme. Et alors? C'est qui connaît les bons plans si c'est pas Mézig? Risque. Oui, sale. Fous de ta gueule. Les cons, c'est comme les huîtres. Ça s'ouvre. Flatté. Et on y va? Où ça? Impressionnante, ça. Ouais, je sais. Ta gueule et marche. I am William Walsh. Il commence à virer caca ton week-end. À la bonne heure. C'est super. Mais qu'est-ce que t'as fait de mon parabellum, nom de Dieu? T'as fait de mon parabellum.
Moi ? À genoux, vous deux ! Ou pas dans tes rêves de Tarlouse, bâtard ! À genoux ! Toi ! Marabout. J'ai récupéré la valise diplomatique dès le lendemain. Et mon million de dollars. Et on s'est fait quelques promesses à Liwa. Éviter les petites villes, aller plus souvent au musée, se méfier des inconnus et puis cesser de privilégier le séquin. Arrêter avec le séquin. Venir à la bonne vieille dîner.